Bonjour et bienvenue sur la chaîne Bon Plan High Tech. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre sélection des 3 meilleures lampes frontales rechargeables de l'année 2022. Si vous êtes à la recherche d'une lampe rechargeable qui vous permet de garder les mains libres lors de vos randonnées nocturnes, au camping ou toute autre activité outdoor, alors vous êtes au bon endroit. Avant de démarrer cette sélection, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour rester au courant des nouvelles sorties de produits high tech et bénéficier des bons plans à venir. Allez, c'est parti, nous allons commencer avec notre classement. Numéro 3, Petzl Actic Core. Ouvrons ce top 3 des lampes frontales rechargeables avec la Actic Core de chez Petzl. Rentrons directement dans le vif du sujet en parlant de ses performances. La Actic Core dispose d'une puissance d'éclairage de 420 lumens, suffisant pour voir jusqu'à 90 mètres devant soi. Cela dit, son éclairage multifaisceau permet de jongler entre un faisceau large pour une vision lointaine et un faisceau plus focalisé pour les déplacements rapides, comme en course à pied par exemple. Pour être visible sans éblouir, la lampe dispose également d'un faisceau d'éclairage rouge, plus doux pour la rétine. Sa batterie d'une capacité de 1250 mAh se recharge facilement par USB. Le câble est livré avec la lampe. Cela dit, pour ne pas vous encombrer avec la batterie, vous pouvez également utiliser 3 piles de type AAA pour l'alimenter. Si l'autonomie maximale de la lampe est de 130 heures selon le constructeur, il faut tout de même garder en tête qu'à pleine puissance, la batterie ne tiendra pas plus de quelques heures. Cela dit, c'est largement suffisant pour effectuer un footing de bon matin ou simplement pour bivouaquer. S'il fallait définir cette lampe en un mot, ce serait la polyvalence. En effet, avec son poids de seulement 75 grammes et un indice d'étanchéité IPX4, la Actic Core de Petzl est parfaite pour tout type d'activité d'outdoor. Mais cette lampe a-t-elle des défauts? Eh bien, malheureusement oui, on pourra lui reprocher son manque d'ergonomie au niveau du cache-batterie. Hormis cela, la Actic Core tient toutes ses promesses. Avant de poursuivre ce top 3, j'aimerais vous rappeler que toutes les caractéristiques et meilleurs prix de ces lampes frontales sont disponibles dans les liens en description de la vidéo. Numéro 2, Nightcore NU25. En deuxième position de notre top 3, nous avons choisi de vous présenter la lampe frontale Nightcore NU25. Élue meilleure lampe frontale en 2019 par l'Outdoor Magazine, nul besoin de préciser qu'il s'agit d'un excellent produit. Cette lampe dispose d'une puissance maximale de 360 lumens, permettant d'éclairer à plus de 80 mètres devant soi. Cela est possible grâce à la puissante LED Cree XP-G2 dont elle dispose. Tout comme la Petzl, c'est une lampe multifaisceau. Le mode d'éclairage peut donc être choisi selon que vous souhaitiez éclairer loin devant vous ou proche de vous. Elle dispose également d'un voyant LED rouge pour assurer votre visibilité en extérieur. Précisons que l'éclairage de cette lampe peut être adapté à l'envie. En effet, cette dernière est inclinable sur 60 degrés afin que vous puissiez éclairer votre chemin avec précision. Côté batterie, son autonomie maximale est de 160 heures, ce qui est mieux que le Petzl. Cependant, elle ne peut pas être intervertie avec des piles, et le rechargement se fait uniquement via USB. L'un des gros points forts de la NU25 est sa conception totalement pensée pour l'outdoor. Elle résiste à la poussière, à l'humidité et surtout aux chutes d'une hauteur de 1 mètre. Son poids plume de seulement 25 grammes, sans bandeau, fait qu'on ne la sent presque pas lors de l'utilisation. En parlant du bandeau, sa conception en silicone signée Nightcore est prévue pour résister à la transpiration. S'il fallait lui trouver un défaut, ce serait sans doute son support pour fixer la lampe au bandeau qui mériterait d'être renforcé. Numéro 1, Olight Perun Mini. Finissons ce top 3 avec la lampe frontale ultra légère Perun Mini de chez Olight. Ultra légère, c'est le cas de le dire puisque cette dernière ne pèse que 52 grammes. Mais ne vous laissez pas bluffer par son petit gabarit, car cette lampe est un monstre de puissance. Capable de déployer jusqu'à 1000 lumens, elle permet d'éclairer à plus de 100 mètres devant soi. Elle embarque une batterie grande capacité de 550 mAh, capable de tenir environ 1h30 à pleine puissance, et 4 jours et demi en mode veilleuse, un record. Comme vous vous en doutez, la Perun Mini propose différents modes d'éclairage, 5 pour être plus précis. Le mode luciole à 2 lumens, le mode bas à 15 lumens, le mode moyen à 65 lumens, le mode haut à 250 lumens, et le mode turbo allant de 250 à 1000 lumens. Elle dispose également d'une option d'éclairage envoyant des signaux SOS en cas d'accident. Livrée avec un bandeau frontal et un clip pour l'accrocher à la ceinture, elle peut aussi être utilisée comme une lampe torche classique. Tout comme les autres appareils de cette sélection, la Perun Mini est prévue pour les activités en extérieur. Son indice de protection IPX8 garantit qu'elle est waterproof. Et le constructeur Olight assure également qu'elle résiste aux chutes, allant jusqu'à 1,5 m. Il s'agit vraiment du top des lampes frontales pour l'outdoor et cela se fait malheureusement ressentir sur son prix. Cela dit, son tarif reste très correct au vu de ses qualités. Pour vous aider à faire le bon choix, retrouvez les détails et les prix des lampes que nous venons de vous présenter en description de cette vidéo. Nous avons sélectionné comme vainqueur de ce top 3 la lampe Olight Perun Mini, pour sa polyvalence, son poids léger ainsi que sa bonne puissance. J'espère vous avoir aidé à faire votre choix et si c'est le cas, mettez un like. Dites-moi aussi en commentaire quelle est votre préférence parmi ces 3 lampes frontales. Je vous invite également à vous abonner pour soutenir et encourager cette chaîne. Au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo tech.